Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, comme vous pouvez voir sur Fortnite, pour découvrir les nouvelles armes de Spider-Man, les lance-toiles. Et du coup, c'est parti, on va les chercher. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour plus rien rater de aucune de mes vidéos. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et c'est parti. Du coup, on se retrouve en jeu, on a lancé en solo, et du coup, les armes, il y en a deux qui se trouvent là. Je vais vous montrer comment on les trouve. Il y en a un peu partout sur la map, il doit y en avoir au moins 15 ou 10, je sais pas trop. Mais déjà, on va prendre ce coffre-là. Yes. Hop, je l'ai. Alors normalement de temps en temps il y a il y en a un là. Alors les spawns c'est 80%, alors il y a globalement énormément de chances de tomber dessus. Et là il y en a un là. Et du coup ça se présente comme ça sous un forme de sac à dos un peu. Et du coup quand tu l'ouvres, voilà ce que t'as les armes et t'as un peu de soin. Parce que bah, du coup quand t'arrives c'est assez galère de survivre. Et ce qui est pratique aussi, c'est comme ce que j'ai fait, hop, vous pouvez les ranger dans votre tente. Du coup, ce qui vous permet de l'avoir dans une autre game. Alors, ah oui, les armes, c'est cheaté de ouf. Alors, c'est un peu dur, parce que comme vous avez vu là, par exemple, j'ai lâché une toile et je suis tombé, mais yes. L'étoile se fixe que au point là, au petit point que vous voyez. Hop. Ensuite, dès que vous restez appuyé, l'objectif c'est de retirer une toile sur un autre point un peu plus haut pour se déplacer encore plus vite. Mais dès que vous, par exemple, là, hop, et mince, malheureusement, j'ai raté. Bah là, du coup, il y a un temps de chargement avant que tu puisses relancer une toile. Du coup, ça va. Bon, c'est un peu abusé, mais pas trop non plus. Mais ça. T'as vraiment l'impression de jouer au jeu Spider-Man, quoi. Donc, oh, j'ai évité une balle, là. Attends, mon ref, j'arrive. T'es où, mon pote? Je t'attends. T'es où? Je l'ai touché, moi. Pour ceux qui se demandent, je suis niveau combien pour l'instant du pass de combat, je suis niveau 34. Hop, on va prendre les mini avant, bien sûr. En vrai, d'avancer dans le pass de combat, c'est archi long. Honnêtement, je fais pas plus d'un niveau à chaque fois que je joue, mais faut être patient, quoi. Pour l'instant, le skin Spider-Man, c'est pas pour tout de suite. J'ai débloqué là le skin Lama il y a pas très très longtemps. Ah non mais c'est cheaté par contre. Mais par contre ouais, j'espère que Fortnite fera un effort sur l'XP parce que là c'est un peu chaud. Je vous mens pas. On va fouiller dans la maison un peu, bah oui parce que l'objectif c'est quand même. L'objectif de la vidéo c'était de vous présenter le truc, mais c'est aussi de faire un top 1, ça serait cool. Et encore pour ceux qui se demandent. En top 1 avec couronne, j'en ai fait 5. J'ai dû faire 6 top 1 depuis le début. Bon, c'est pas fou, hein, mais ça passe. Spider-Man. Ouais, j'adore les armes. C'est si fun à jouer. En section, ça doit être dingue. Imagine, tu joues tranquillement, tu te balades, et là, tu vois 6 mecs arriver avec des toiles. Non, mais ça serait le bordel. Yo, mon ref. Quand tu me tires dessus, ça serait cool de savoir où t'es.
Ouais, y a un petit bug de son. Hein. Ah, Spider-Man 2. Ok. Du coup, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour plus rien rater de toutes mes vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. C'était Hélène. Ciao.